Salut à tous, c'est Alix, aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de Comme à la ferme avec Crotula et sa petite chaîne Wi-Fi. J'espère que le machinima de début vous a plu. Et oui, j'avais vraiment envie de mettre cette chanson et je trouvais qu'elle collait vraiment bien avec un peu le quotidien de la croûte. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si ce genre de machinima tout en musique aussi vous plaît. Voilà, en tout cas, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le tourner. Alors j'espère que ce sera un épisode où on va moins galérer que le précédent, parce que je vous avoue que l'histoire des fraises, franchement, non mais quelle galère quoi. Du coup, pour le quatrième épisode, on a quasiment rien fait puisque on a que 71 simflouzes. Par contre, on avait trouvé des cerises à Windenburg, donc du coup on va en profiter pour les planter. Et chose hyper importante à laquelle j'ai viens de penser, c'est que il ne faut pas que je vende tout de suite tous les fruits que je récolte. Il faut que j'en garde un peu en réserve si jamais on tombait sur la roue des aléas, sur une destruction des récoltes. Donc faut vraiment que je fasse gaffe parce que sinon je peux potentiellement perdre une partie de mes récoltes, et donc faut que je fasse quelques réserves. Écoutez, c'est parti, on va planter les cerises. Donc à chaque fois on a droit à 2 exemplaires. On va commencer à avoir un petit verger intéressant avec les citrons. Et puis on va continuer donc à s'occuper de notre jardin. Alors maintenant on commence à avoir un petit peu de plantes puisqu'on a des carottes. Merci la boule de poussière d'avoir trouvé la carotte. On a des citrons, du basilic, de la sauge. Et puis y a toujours cet arbre à fruits défendu, donc on va voir ce que ça va nous donner. Je vous avoue que je ne sais pas trop. On va quand même par contre désherber ça parce que sinon on risque de tout perdre. Et puis du coup ce qu'on va faire, ce que vous avez été assez nombreux à me conseiller, je vous en remercie par ailleurs, c'est de pas forcément passer toute la nuit sur le terrain, mais d'y aller un petit peu avant 5h du matin au moment où les plantes poussent. Donc c'est ce que je ferai pour les prochaines fois. Alors on va s'occuper un petit peu des abeilles, on va récolter du miel, on va nouer des liens. Et puis je me demande si je vais pas racheter une ruche. Alors la ruche elle a 265, donc effectivement il faut qu'on économise un petit peu. Mais c'est vrai que on m'a conseillé aussi d'avoir plusieurs ruches, ça va permettre quand même d'avoir un peu plus de production de miel. Et puis ça devrait être assez vite rentabilisé. On va prendre soin des insectes. Bon, elle se fait piquer, ça tout va bien, c'est normal. Alors, dans 2 jours en plus, on va tourner la roue des aléas. Donc, je vous avoue que j'ai un petit peu peur de ce qu'on va avoir. Peut-être qu'on va demander quand même à la peluche de poussière... j'ai dit boule de poussière, tout ça, n'importe quoi. À la peluche de poussière de trouver des objets de valeur. Ça pourrait être bien qu'elle nous trouve des graines, voilà. Hein. Elle est quand même plus efficace que la croûte pour trouver des graines. Donc, on va faire ça. Oui, bon voilà, tu renifles, effectivement, il y a de la poussière, non, c'est propre. Quelqu'un vit ici. Oui, et dans une zone poussiéreuse, d'accord. Oui, c'est toi qui vis ici, justement, la croûte, hein, voilà. Alors, si tu voulais me trouver quelque chose d'intéressant, ça serait bien. Des graines, à tout hasard. J'ai des poissons, mon dieu, j'ai plein de choses gâtées. Un insecte. Ah, d'accord, ouais. Bah, de toute façon, je vais garder dans mon inventaire, on fera peut-être une collection, mais pas pour l'instant. Je vais laisser pour l'instant la peluche de poussière. Allez, on va faire une petite lessive. Et puis ensuite, je vais aller un petit peu prospecter sur d'autres terrains pour trouver d'autres graines quand même. Voilà, j'aimerais vraiment diversifier tout ça. Elle vieillit dans 14 jours. Ouais, donc il va pas falloir trop traîner quand même aussi pour qu'elle fasse un enfant. Avec Jay. Hein, moi je pense que ça peut être pas mal quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais je vous avoue que j'ai quand même envie de voir l'enfant qu'il y aura entre Jay et la croûte. Je suis très curieux, je vous avoue. Oh non, il y a Églantine encore. Mais on peut jamais être tranquille. Hein. Bon, on va faire comme si elle, on l'avait pas vue. Hein. C'est tout à fait crédible, n'est-ce pas? Mais tais-toi, Wifi! Elle va t'entendre! Chut. Et puis... on va essayer d'aller un petit peu repérer ce qu'il y a d'autre au niveau des plantes. Alors, on retourne à la propriété Von Hunt parce que je sais qu'il y avait des plantes intéressantes. Allons voir les feux d'artifice du festival Fraskim. Il paraît que c'est le plus beau spectacle de feux d'artifice de la ville. Bon, allez. Bon, nous voilà à San Michuno avec Berthe.
Elle est en colère, pourquoi? Toujours furieuse, se sent furieuse contre quelqu'un à proximité, je ne vois pas du tout qui. Parce que, bon, je peux pas toujours refuser quand même les propositions de Berthe, hein, c'est quand même sa sœur. Et puis, bon, c'est tout, on retournera à la propriété von Hunt plus tard. Donc, il faut qu'on regarde le feu d'artifice. Alors, on va peut-être en profiter d'ailleurs pour manger, ça pourrait être une bonne idée. On va essayer de marchander, on n'a pas beaucoup d'argent. Alors, vous êtes intraitable en matière de négociation. Bon, je vous offre une réduction de 25% sur tout ce qu'il y a sur cette table. Qu'en dites-vous? Ouais, bah c'est bien. Allez, commandez la nourriture à prix réduit. Qu'est-ce qu'on va prendre? Brochette, merguez, tajine. Oh, tajine. Allez. Quand même qu'elle mange, la pauvre. Bah, elle est partie où? Eh oui, viens là. Oh, mais c'est un de mes personnages. C'est Paulette. Paulette Duchamp. Alors... je vais pas trop vous spoiler, c'est un des personnages que j'ai créé pour une prochaine vidéo. Vous le verrez plus tard. Paulette, voilà, donc... voilà, je... Un personnage encore en couleur, hein, croyez-moi. Berthe nous invite, mais elle vient même pas manger avec nous. Ah bah voilà, bon, il y a Nancy. Je me disais aussi, tiens, c'est bizarre, elle est pas là. Félicitations, Croutula a fait les premiers pas de son voyage culinaire à travers la ville. Manger de la nourriture en ville débloque la possibilité de la cuisiner. Il y a 26 autres recettes à apprendre, allez tester d'autres plats. Ok. Cette dégaine. Elle est joueuse du coup. Ok, Croutula rejoint les blagueurs. Effectue des interactions comiques pour gagner des points pour votre équipe. Se moquer des farceurs. Être sarcastique à propos du vaudou. Mime de saucisse impossible. Qu'est-ce que c'est que cette interaction? Oui, Nancy, tu es belle. Rassure-toi. Elle est matérialiste, Nancy. Oui, bon, elle n'avait pas besoin de nous le dire. Hein. Mais j'ai pas vu du coup le mime de saucisse impossible. Ah, c'est peut-être ça, non? Je sais pas. Bon, puis avec Berthe là. Compétence 3, déjà comédie, waouh! J'ai l'impression que le jeu lague un peu. Depuis le dernier pack de jeu décoration d'intérieur, j'ai des bugs, j'ai des ralentissements. Je sais pas si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à me dire, mais je trouve que mon jeu, étonnamment, a tendance un peu à laguer. Oh bah qu'est-ce qui se passe? Geoffrey vient de gifler Berthe. Elle s'est encore montrée désagréable, c'est ça? C'est pas son genre pourtant. En plus, elle nous a invités, mais il se passe rien du tout. Elle vient même pas nous parler, elle nous ignore totalement. Eh ben, quoi? 500? Mais c'est trop bien! Waouh, victoire des blagueurs! Tous les blagueurs reçoivent un micro pour faire des sketchs, des feux d'artifice et 500 simflouz. Le chemin de la gloire! Non, c'est pas possible! Le festival se termine dans une heure. Terminez vos activités avant sa fermeture et revenez la prochaine fois que le festival sera en ville. Ah, mais waouh, je m'y attendais pas du tout! En fait, mais je crois que je l'avais peu fait ou pas fait jusqu'au bout. Waouh, mais c'est génial! Allez, regarde le feu d'artifice, la croûte. Voilà. Non mais il faut regarder le feu d'artifice en fait. C'est juste là, derrière toi, regarde, juste là. Ah voilà, je crois qu'elle a enfin compris. Mais arrêtez de bouger dans tous les sens, on vous demande de regarder un feu d'artifice, pas de faire une chorégraphie. Oh, et après j'aimerais bien qu'elle ait une poubelle, qu'elle fouille les poubelles. Quelqu'un aussi en commentaire, et merci d'ailleurs beaucoup à cette personne là, m'a dit effectivement qu'elle trouvait des graines en fouillant les poubelles, les bennes à ordures. Mais je trouve que c'est une super idée. Donc toutes les solutions sont bonnes à prendre, hein, pour trouver. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Nancy? Oh, mais d'accord. Mais non, elle est tellement... C'est moi ou la poubelle vient de disparaître? Mais pourquoi la poubelle vient de disparaître? D'accord. Mais c'est pas possible. Oui, donc je disais, c'est une bonne idée de fouiller les bennes à ordures, notamment à Evergreen Arbor, pour pouvoir trouver peut-être un petit peu plus de graines. Bon, ça va être terminé. Oh non, il y a les factures. Non, j'avais oublié. Il y a les factures et on vient de gagner 500 simflus. Bon, ça nous permet de payer les factures, mais du coup, on aura beaucoup moins d'argent. Oh non, mais regardez la tête de Berthe. Mais qu'est-ce que c'est que cette soirée? C'est n'importe quoi. Oh, et d'ailleurs, le temps avance. Il faut vraiment qu'on se rende à Windenburg. Hein. Alors, oui, bon, Berthe nous a suivis. J'ai pas fait gaffe, mais comme on était ensemble, du coup, elle m'a suivi. Bon, c'est pas grave. Hein. Et je voudrais voir un petit peu ce qu'on a ici. On va peut-être, vous savez quoi, récolter les citrons.
comme ça, je peux pas les vendre parce que c'est pas des produits directement issus de ma production personnelle, mais si jamais j'ai une destruction de récolte, je pourrais les replanter. Pareil pour la sauge, et on aura bientôt des mûres, donc je vais rester là de toute façon jusqu'à 5h. Bon là il est 1h du matin, les besoins c'est pas du tout la catastrophe, donc on peut se permettre de rester là quelques heures en plus, sans souci. Alors, il est 5h. Bon, buisson de mûre n'a pas encore poussé. On a de la sauge, par contre. Pour les citrons, ça sert à rien que j'en récolte à nouveau, de toute façon, puisque j'en ai déjà suffisamment. Il faudra revenir le lendemain, voilà, tout simplement, pour que ça pousse. Oh non, puis Eglantine, mais c'est pas possible. Bon, allez, on va vite rentrer à la maison. Et on fait comme si on l'avait pas vu, encore une fois. Par contre, j'aimerais bien ne pas revenir avec Berthe. Voilà, ça c'est bon. Et nous revoilà sur le terrain. On va un petit peu s'occuper de nos plantes. Ah mais non, du coup, ça n'a pas poussé puisque je n'étais pas sur mon terrain. Oh là là, mais c'est pas possible. Ça m'énerve, ces bugs. Bon, on va tout arroser. En fait, c'est difficile parce que s'il faut choisir entre ton terrain où tu as tes plantes qui poussent tous les jours, finalement, et qui donnent des plantes que tu dois récolter, et les terrains où tu dois aller avant 5 heures pour pouvoir récolter les graines, c'est un peu compliqué quand même. Bon, on va quand même appliquer déjà un traitement anti-mite, récolter le miel, nouer des liens avec des abeilles. Oh là là, non, Wifi, qu'est-ce que tu fais? Bon, Wolfgang, salut Croutilla, que dirais-tu de rejoindre le groupe Les Chevaliers Errants? Non merci. J'en ai des propositions bizarres. Hein. Vous avez vu comment ça commence à être vraiment sale. Et Crotula, c'est moi Jay, voudrais-tu aller à un rencard avec moi? Au bar, jus de crotal. Non, pas tout de suite. Oui, je sais, j'ai refusé un rencard, mais il faut qu'elle s'occupe quand même un petit peu de sa maison. Regardez, elle est toute seule. D'ailleurs, il faudra acheter un aspirateur. Ça va encore coûter une blinde. Faut quand même qu'on s'occupe aussi un petit peu de Wifi. Donc là, c'est vrai que ça m'arrange pas. Allez, on s'occupe un petit peu des besoins. On va prendre une douche. On va demander à nouveau à la peluche de poussière de chercher des objets de valeur. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ah non, bah, de toute façon, voilà. Inspectrice des plans d'action. Bon, bah, elle va forcément trouver des choses à redire. Oui, c'est une poubelle, effectivement. Oh, il y a Jay qui vient. Il est totalement fou de la croûte, hein. Bah attends, elle est... Elle est sur le trône, là. Attends. Mais la drague pas, toi, pendant qu'on est là. Ah, le morceau d'argile. Bravo, on dirait que ce foyer respecte tous les plans d'action de quartier actif. Bien sûr. Vos prochaines factures seront diminuées pour récompenser votre engagement. Ah, ça, c'est cool. Une bonne nouvelle. Voilà, va trouver des carottes, s'il te plaît. On va l'inviter à rentrer. Je pourrais peut-être lui donner les clés de la résidence. Ouais. Mais non, c'était bien ta tenue, là, t'as mis ta belle robe. Mais qu'est-ce que c'est que... Mais non, mais Croutula, ne te pose pas dans la flaque. Oh, c'est un look un peu original, d'accord. Raconter des ragots. Voilà, on lui a donné les clés de la résidence, comme ça il pourra venir quand il veut. J'ai racheté une deuxième ruche, il me reste un simflouze. Mais vous inquiétez pas, on va la faire manger un petit peu, et on va aller la faire un petit peu pêcher, retourner à Bradlington Bay. On pourrait peut-être trouver des graines, hein, avec un petit peu de chance. D'ailleurs, j'ai pas du tout regardé ce que la peluche de poussière avait trouvé. Bon, visiblement pas grand-chose. La peluche de poussière de Crotula est rapidement revenue, les pattes vides, en ayant clairement fait le strict minimum pour trouver quelque chose. Peut-être qu'un encas poussiéreux ou un câlin sincère pourrait encourager Peluche de Poussière de faire un peu plus d'efforts. Ah ouais. D'accord, je peux peut-être la renommer. Bon, j'ai renommé la Peluche de Poussière Gustave. Hop. Et puis parce qu'on va faire, de toute façon, on ne peut pas, de toute façon, nettoyer. Donc j'ai envie de vous dire, pour l'instant, on va juste la nourrir. Et peut-être que la peluche de poussière sera contente et ira nous chercher des graines. Bon voilà, je vais redemander à Gustave, que j'ai nourri avec de la poussière, de chercher des objets de valeur. Comment? Elle est revenue les pattes vides? Oh là là, fais attention toi, parce que je vais te marcher dessus, tu vas voir Gustave. Hein. Elle a un peu grignoté, on va aller la faire pêcher. Alors nous voilà à Bradlington Bay. Oh non! Mais non! Oh là là, super le temps, merci. Bon... Puis elle va avoir peur, elle va pas vouloir pêcher. Bon, on va tenter, mais pourquoi chaque épisode est pire que le précédent? C'est un véritable échec, quoi.
plancton sans façon, tentant d'attraper toutes ces choses visqueuses et recouvertes d'écailles, n'amuse pas Krutula. Doit-elle lâcher prise et admettre qu'elle n'aime pas la pêche ? Non, tu continues, Krutula. Oh non, elle est mal à l'aise du coup. Bon bah, on retourne chez nous. Hein. Voilà de retour en un temps record sur notre terrain. Mais bon, vu le temps, c'était pas possible. D'ailleurs, quel est le temps ces prochains jours ? Oh, il va faire beau et chaud toute la semaine, des jours de canicule. Ok. Oh non. Bon, on va réparer ça ensuite. C'est bon, l'éolienne n'est pas cassée. Ah là là, mais la peluche de poussière, elle a plus envie de bosser, hein. C'est terrible, ça. Bon, Gustave, est-ce que tu veux bien, cette fois-ci, aller nous chercher quelque chose ? Allez, réparer. J'aimerais bien que cet arbre pousse. C'est lent, hein. Je suis pas sûr que taper au marteau là-dessus, ce soit bien efficace, mais bon. Alors, il est 7h du matin. Elle va se lever, aller aux toilettes. Regardez, d'ailleurs, il y a une deuxième petite peluche de poussière. On va leur demander toutes les deux d'essayer de trouver quelque chose, même si pour l'instant, ça me rapporte rien. Et puis, alors, on a un petit peu de choses à vendre. On va d'abord désherber et vendre tout ça. Et puis, ensuite, on tournera la roue des aléas, qu'on ait au moins un petit peu d'argent avant d'avoir une potentielle crasse. Suspense, est-ce qu'on va avoir de la chance ou une poisse monumentale ? Oh oui, augmentation des prix 50%. En plus, j'ai acheté la table qui permet justement d'augmenter les prix. Ça, c'est génial. Donc, je suis trop content. Alors ça, c'est vraiment génial parce que du coup, ça veut dire que pendant une semaine, je vais pouvoir augmenter les prix. Et par exemple, pour le miel, on va pouvoir le vendre 50% plus cher. Mais je suis trop content. Alors, c'est pas ça qui va forcément nous faire avoir beaucoup d'argent. Mais franchement, c'est déjà un bon point. Ah, enfin, ça a poussé. Ah, c'est grand, ouais. Alors, on peut peut-être essayer, par contre, de fertiliser certains... Avec un lingot d'or, on va peut-être éviter... On va essayer de fertiliser tout ça. Bon, je fertilise pour que, tout simplement, on ait une meilleure qualité des plantes. Et puis, eh ben écoutez, on n'a pas grand-chose à vendre, mais on va essayer de voir ce qu'on peut vendre. Il n'y a que ces produits-là qu'on va pouvoir vendre un peu plus cher. Donc voilà, on a augmenté les prix de 50%. Ok. Ah, ce sont les personnages que j'ai créés, qu'on verra plus tard. Paulette Duchamp, qu'on avait déjà vu, et Pierrot Duchamp. Ils sont mari et femme, voilà. Bon, bah, vous êtes un petit peu spoilé, mais c'est pas grave. Oh, elle part. Cool. On va faire un argumentaire de vente. Regardez mon merveilleux miel et mes carottes. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle ? Mais si ça te plaît pas, tu peux partir, hein. Ah, c'est cool, 27 simflouzes. Je dois vraiment y aller, c'est très sympa. Ok. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Allez, je vais l'insulter. Je sais pas ce qu'elle fait, là, avec sa tablette. On a eu des interactions négatives. Pourquoi les gens vont là ? Beth Sterling. Bonjour, devinez quoi ? J'ai une idée... génial d'entreprise, cela va être énorme, mais j'ai juste besoin de quelques simflouzes de plus pour lancer le projet. Genre 1000 simflouzes. Mais est-ce que tu crois que j'ai 1000 simflouzes? Et même si je les avais, je ne te les donnerais pas. Ah, parce qu'elle est méchante. Mais alors comment tu vas faire pour réaliser tes rêves? Merci quand même, enfin j'imagine. Eh ben tu te débrouilles, tu fais comme tout le monde, tu travailles. Et puis il y a Eglantine en plus. Mais non, c'est moi qui voulais chercher des débris dans ma poubelle. Ah, oh, puis on est... Oh là là. Ils peuvent pas se mêler de leurs affaires. Et Pierrot qui est en train de nous parler alors qu'on est en train de réparer l'éolienne. N'est pas comme ça d'habitude. Raison à l'éditeur, parce que la maison est sale ou dégoûtante. Tout semble un peu sale. Et dans une zone sale. Oui, c'est vrai, c'est un peu sale. Mais on n'a pas trop l'argent pour acheter un aspirateur. Y a Jay. On pourrait peut-être faire un petit crac-crac pour se détendre, enlacé avec réticence. Oui, c'est vrai, c'est pas très propre. Oui, c'est vrai, ça donne pas très envie de faire crac-crac, mais bon. Allez, allez dans la douche, vous avez tout oublié. La saleté casse l'ambiance. Ah non ! Tente une interaction romantique dans un environnement sale. Oui, bon, bah, ça a pas l'air de le déranger quand même, Jay, là. Wifi est en train de s'enfuir. Non !
Elle finira par revenir à la maison, mais poster une alerte par l'intermédiaire d'un ordinateur ou d'un téléphone pourrait permettre de la retrouver plus rapidement. Oh non ! Mince, embarrassée. Tout était si glissant. Séance de crac-crac dans la douche en dessous de la moyenne. Ah, bon, bah... C'est pas grave, ça l'a quand même diverti au max, hein. Ah, un morceau de fruit ou de légumes pourri. Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Vilt-il ? Ok. Ah, Jay est parti et... Oh, mais c'est encore églantine, mais c'est pas possible. Elle s'est fait attaquer par les abeilles, tout va bien, ça, rien de plus normal. Voilà, t'arroses tout ça. Et vous savez quoi, je suis en train de me demander, j'en avais parlé au tout début du let's play, si la croûte ne va pas devenir une jeteuse de sorts. Ça pourrait être sympa, on pourrait faire des interactions aussi malicieuses, faire pousser les plantes plus rapidement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'attends vos retours en commentaire pour savoir si dans le prochain épisode, eh bien on développe ça ou pas. Oh non, très maladie, fiévreuse raison maladie. Oh là là, mais c'est compliqué. On a 8 filles qui est partie, la maison qui est de plus en plus sale, on commence petit à petit à diversifier les plantes, mais maintenant la croûte est malade. Bon écoutez, je pense que c'est sur ce qu'on va s'arrêter. Un épisode pas facile non plus parce que on a vraiment du mal quand même à trouver des plantes même si on va sur les autres terrains. Et je me rends compte que si je ne suis pas sur mon propre terrain à 5h du matin, du coup, quand je reviens, c'est comme si les plantes étaient en stand-by et donc ne me donnent pas non plus des fruits, des légumes ou des herbes aromatiques. Donc c'est un peu compliqué, faut faire un choix. Peut-être que pour la nuit prochaine, je retournerai quand même à la propriété Von Haunt pour avoir des murs, mais c'est vrai qu'il va falloir que je reste quand même pas mal sur mon terrain pour pouvoir faire pousser les plantes actuelles. Donc on essaiera quand même de fouiller peut-être des bennes à ordures dans le prochain épisode à Evergreen Arbor, et peut-être pêcher aussi pour pouvoir trouver... On espère avoir de la chance et trouver d'autres graines. En attendant, Wifi a disparu. Elle s'est enfuie. Et la croûte est malade. Donc on verra comment on gère ça dans le prochain épisode. N'hésitez donc pas à me dire aussi ce que vous avez pensé de cet épisode. Me dire aussi ce que vous pensez de l'idée d'une croûte qui va devenir jeteuse de sorts. Ça pourrait être sympa et ça pourrait un petit peu pimenter le gameplay. Enfin, en tout cas, moi, ça m'intéresse comme idée. Dites-moi ce que vous en pensez et puis je m'adapterai. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire, de mettre un pouce bleu si vous avez aimé cet épisode, vous savez que ça me soutient énormément, et puis évidemment à vous abonner si c'est pas déjà fait parce que vraiment ça soutient énormément la chaîne, donc voilà, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.